Quelqu'un peut m'aider pour le lit, pour déplacer le lit, s'il vous plaît? Quelqu'un? Il y a quelqu'un pour le lit, s'il vous plaît? Il y a personne pour le lit? Aide-moi, jamais plus que deux, faire un lit, parce que j'ai toujours dit ma mère, jamais trop. Voilà, prends le bord. Tire pas. Voilà. C'est très bon. Regarde comme ça va être douillet tout ça. C'est parfait. Un petit toilet. Voilà. Ah.
Très bien. Dominique, Karen, Valentin, Kim, Eva, Angela et Claire. Venez, suivez-moi, c'est par là. Attendez, je pousse ça. Voilà, vous, vous serez ici. Vous avez la lumière. Et ici, tout ce qu'il vous faut. Ensuite, Gabor, Oscar et Iris, venez. Ça sera ici, vous vous collez bien contre le mur et vous essayez de moins déranger possible là tout ce qu'il y a. Vous laissez bien tout en ordre. Thomas et Léonore, Stéphane et Brice. Alors, on sera dans ce coin-là. Vous pouvez ranger, en revanche, tout ce que vous voulez. Il y a du frais, il y a du... Là, ce sont quoi? Ce sont des tomates cerises, ce sont des anchois. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous remettez tout à votre place. La mozzarella, tout est là. Alors, Donc, Mirka, Ben, Séverine et Aléonore, pardon. Venez, vous, c'est par ici. Regardez ça. Fonctionne, c'est très bien. Stéphane, Brice et Linus et Titus. Titus, viens là, Titus. Viens là, Titus. Allez, viens, Titus. Allez, allez, attrape. Attrape. Là. Allez. Allez, viens. Allez, lâche. Bon, et pour finir, nous avons Arnaud, Mel, Maxime, Laetitia, Karel, Jean-René, Amadou, Wilfried, Alberto, Marie-Hélène, Zao, Anna, Lucas, Jérémy, Ida, Whitney, Lothar, Jacob, Ula, Alexandre, Juan, Abdel, Pierre-Antoine, Raphaël, Vera, Eddy, Giuseppe, Simone, Franck et Vittorio. Celle-là. Je vois une très petite pièce, enfin en tout cas elle me semble petite. En même temps c'est pas certain. Et elle est, je dirais jaune, mais je sais pas si elle est jaune ou peut-être blanche, mais tellement éclairée à travers la porte, à travers les vitraux de la porte, que le soleil jaunit le tout. Il y a des petits carreaux très symétriques, comme une grille de petits carreaux qui constituent la partie inférieure du mur, et au-dessus une matière plus abîmée, peut-être un peu d'humidité, plus jaune encore, mais un jaune sombre. La lumière ne parvient pas autant. Elle est très simplement appuyée contre la lumière de la porte, avec les doigts très écartés, comme si elle voulait mesurer, presque comme si elle mesurait la lumière, comme si elle s'appuyait sur le rayon de lumière qui rentre, qui irise la pièce. Son bras est légèrement tendu, puisqu'elle s'appuie, et on voit donc son polo, qui est des deux côtés.
côté est retroussé jusqu'au coude. Son polo est de couleur verte avec un triangle de couleur beige peut-être. Pareil, la lumière est tellement forte qu'on ne sait pas trop. Elle a les cheveux longs, comme un sourire, et on ne voit qu'un œil car l'autre est dans l'ombre. Elle est en contre-jour au niveau de son œil gauche. Mais c'est sûr qu'elle regarde lui, qui est devant. Elle le scrute. On n'arrive pas à savoir si son regard est bienveillant. Elle est très attentive et lui va fumer ou fume. On n'arrive pas à savoir si la cigarette est allumée. On ne sait pas s'il va fumer. Il fait un geste avec son doigt, droit du bras de la main droite, où il pointe quelque chose vers le bas, comme s'il regardait le photographe, comme si peut-être qu'il indique le briquet qui serait tombé. Lui regarde très fixement devant, elle le regarde et la lumière ne parvient pas jusqu'à lui. Elle s'appuie en même temps sur la lumière et en même temps presque elle l'empêche d'aller jusqu'à lui. Et derrière eux deux, presque au milieu, entre leurs deux corps debout face à nous, se trouve une chaise sans dossier. Et une chaise sans possibilité aucune de s'asseoir, une chaise vraiment inutile, mais elle aussi faite de petits carreaux, de tout petits carreaux très nets. C'est très joli ce que tu dessines. J'adore. C'est très très beau. Je sais pas, il y a cette espèce de relation entre la toute petite forme que tu fais et le blanc au-dessus. C'est très joli, c'est très joli. Irène, viens voir. Irène, regarde ce qu'il fait. Irène, viens. Regarde. Mon trésor, je suis ravi de vous connaître enfin, rien ne manque ici, les lames et Georgette, nos promenades et les sauts dans les bras de Toby qui est un merveilleux garnéon. Le temps est magnifique et je me sais que vous vous êtes beaucoup amusé à la plage ce TTE après-midi, un beau tableau que je peux imaginer toute seule mais parfois je me mets dans le bleu et c'est très beau que je suis impatué de reprendre la route des peupliers qui bordaient la maison car l'ombre sur votre vieille je me manque.
Et aussi je pecnais elle vivian la roue des routes sans fin des nismes et fugge que deux et mon trésor et Jeff Knell GHGJH qui est KJKRF la possibilité le soleil la pluie une plus qu'elle fugvej mon trésor. Mon trésor, 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 mon trésor. Et j'ai cheveux et j'ai cheveux. Je suis ravi de vous connaître enfin. Rien ne manque ici, mais je regrette nos promenades. Mon trésor. Mon trésor. Je suis ravi de vous connaître. Les seaux dans les bras de Toby. C'est un merveilleux garnement. Toby. Le temps est magnifique et je le sais que vous êtes beaucoup amusé à la plage ce été après-midi. Un beau tableau que je peux imaginer toute seule, mais parfois je me mets dans le bleu et c'est très beau que je suis abattu. S'il vous plaît, vous pouvez pas garer votre voiture ici. Qui bordait la maison ouais. Car l'ombre monsieur. Sur votre viage, je me manque. Et non, aussi, désolé. Je des routes monsieur, non, c'est pas possible. Pour les visiteurs, c'est plus loin, merci. Qui est KJKRF, la possibilité, le soleil, la pluie, plus qu'elle, fugvej. Non, bien sûr, trésor, vous pouvez aller trésor, voir devant, trésor, y a, vous trésor, pourrez sans problème. Trésor, mon 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 trésor, et j'ai cheveux, et j'ai cheveux, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire, parmi nous, qui se trouve parmi nous aujourd'hui, de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est son anniversaire, il vient de Miramas, et donc, pour fêter son anniversaire, je vous propose, eh bien, tout simplement, lui chanter une petite chanson de Michel. Je vous laisse deviner. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur et ma mère. On allait au bord de la mer regarder les gens qui dépensaient leur argent. Toi, tu as encore la plus belle chemise que je connaisse. Tu es assis, non, tu es debout, au milieu, sur le seuil, tu me regardes droit dans les yeux et je vais vous présenter donc eh bien, votre nouveau colocataire. Eh bien oui, voilà, regarde, tu peux découvrir ici donc eh bien, ce qui sera avant, oui, je crois que c'était les gens dormaient ici, ce qui tombe bien parce que tout le monde va dormir. Vous pouvez trouver tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin en termes de confort au niveau du salon. Sur le living room, eh bien, c'est l'endroit le plus ensoleillé qui tombe très bien. Ça s'agira parfaitement, je dirais, avec votre sens des carreaux. Et doucement.
morning, Julian. I just left my son Eiler at school. I'm in Kolonaki, right in front of this church that is the center of the neighborhood. It's not so hot yet, but I think that it will be a lot later on. They say that today it will be 40 degrees. I fucking hate it. And I remember this street that I'm on right now, maybe 3 or 4 years ago, I saw a person walking around and he was sharpening a tree branch. He just had a tree branch and he was sharpening it like furiously. And I feel like that person today in a way, I don't know why. I'm right in front of the Dionysius Church in the Skoufa Street. And there are people that are gathering up like the garbage and are cleaning the street. And they're using this weird, like these air turbine things, which is disgusting because it's throwing out all this wind and all this dust. And I try to think about how are you doing over there? And I would love it if I was there. Yes, I would love it if I was there. Merci pour ton message. Je te réponds en français, mais je sais très bien que tu vas comprendre. Je me trouve dans le sud de la France. Il fait très beau aussi. Un soleil très haut. Mais la chaleur n'est pas écrasante, il y a un peu de vent. Il y a une expression française qui dit avoir une tuile, c'est-à-dire avoir beaucoup de problèmes. Et figure-toi qu'en ce moment, je me trouve sur un toit de tuile. Mais je vais bien. Je suis avec beaucoup de monde. Ils sont tous assis. Et très attentifs. Certains sont pris par les rayons du soleil. Certains ont des lunettes de soleil. Je vois une dame avec un haut avec des motifs de zèbre, des motifs zébrés. Une dame se penche parce qu'elle est cachée par un arbre. Et je vois juste son visage et ses lunettes et son haut vert. Au-dessus d'eux, il y a des immenses peupliers, comme un toit de feuilles. Et derrière ce toit de feuilles, on peut voir une grande vallée avec une rivière, une vallée très profonde. Et ils sont collés comme si ils voulaient se rapprocher. Et on peut voir ce que je pense être des vaches au loin. J'entends des bruits de voiture ou une moto. Très calme. Et ton message m'a fait très plaisir. Et de mon côté, moi aussi, j'aurais aimé que tu sois là, mais ce n'était pas possible. Mais tu nous manques. Je suis sûr qu'on va se revoir bientôt.
excusez-moi. Bonjour. Non, non, je suis que passé. Oui. Non, 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 je... bonjour. Ouais. Très bien. Je suis désolé. Bon appétit. S'il vous plaît, que personne ne me dérange pendant quelques instants. Juste quelques instants. Au fond de la vallée profonde. Le toit de la maison est très beau car il se soulève en un arrondi au-dessus des lucarnes du dernier étage. Je descends et là il y a marqué on s'étend sur des transats que je trouve incroyables parce qu'ils ont une partie spéciale pour les jambes. Le jardin est bordé de haies, de buis et de bouquets de fuchsia. J'ai une dernière série de questions. Alors vous répondez comme vous pouvez. La première, c'est combien vous êtes ? Ouais. Oui, très bien. Vous êtes très nombreux. À quelle heure vous avez ouvert les yeux aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ah, celle-là, elle est facile. Qui aime les bonbons? Ouais, voilà. Maintenant, c'est plus moi qui vais poser les questions, c'est vous. Qui peut raconter son dernier rêve?